Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Lors du montage, on s'est rendu compte que l'introduction n'avait pas de son. Mais dans le fond, ce qu'on voulait vous dire, c'est que dans l'épisode d'aujourd'hui, on déménage dans le Lucky Base Camp et... on vous annonce notre prochaine destination. De retour à la vidéo. Mon premier challenge pour aujourd'hui, c'est d'aménager l'espace arrière de la cabine pour être capable d'amener tout le stock que j'aimerais avoir tout en laissant assez d'espace pour les deux chiens. Là, l'enjeu que j'ai, c'est que dans cette unité-là, ils ont conservé la banquette arrière, fait que je perds beaucoup d'espace de rangement que je vais récupérer quand je vais avoir mon camion à moi. Mais au moins, dans le Ford, il y a le plancher qui est plat, ce qui me donne un aménagement un petit peu plus facile à faire. Mais juste pour vous donner une idée comment c'est un peu une mission impossible, je vais vous montrer tout ce qu'il faut que je réussisse à rentrer là-dedans. Il y a vraiment du stock. Premièrement, il y a mon nouveau barbecue qui est juste ici. Il y a ma valise avec mes outils. Il y a ma valise avec les accessoires de barbecue. Ensuite, il y a ma valise ici avec tous les accessoires de caméra. Mon sac de caméra. Mon sac de drone. Mon trépied. Puis tout ce qui sert à utiliser mon barbecue. Donc charbon, des copeaux de bois, etc. C'est tout dans le petit sac orange là. Fait qu'il faut que je réussisse à rentrer tout ça en arrière. Si jamais j'y arrive pas, ce qui va décoller, c'est ce qui n'est pas essentiel. Donc, mon barbecue et les accessoires de barbecue, c'est peut-être pas les éléments les plus essentiels, autant que les caméras pour qu'on puisse vous faire des vidéos, puis les outils pour qu'on puisse se dépanner s'il y a quelque chose qui brise. Fait que c'est les éléments essentiels en premier. Puis si j'ai de la place, on y va pour le barbecue. La première question que je me pose, c'est est-ce que je laisse les bancs comme ça ou si je les descends et je mets mon stock dessus. Ça me laisse de l'espace en dessous, mais pas assez pour mettre cette valise-là en dessous. Mais comme il n'y a personne qui va s'asseoir dessus, je peux peut-être... ah non, ça ne marchera pas. Ça, c'est pas une bonne idée. Puis je veux pas briser les bancs non plus en mettant du stock pesant dessus tout le temps. Je pense que c'est mieux que ce soit comme ça. Peut-être. Ça va de l'autre côté. Mettre ces valises-là de même, puis de les strapper à la fin de tout. Ça laisse quand même beaucoup d'espace en avant. Peut-être. Peut-être que ce sera ça. Ah, ça marche pas. Ça marche pas! Il va assurément falloir que j'attache tout ça pour pas que ça tombe sur les chiens. Mais j'arrive à quelque chose tranquillement. Je crois que j'ai accompli ma mission avec succès. Et je vais être capable d'apporter mon barbecue. Regardez ça. Je vais aller vous montrer de l'autre bord de quoi ça a l'air parce qu'on dirait qu'on voit pas grand chose. L'espace commence à être pas mal restreint à l'arrière. J'ai mis mon bac de caméra, bac d'outils, sac à dos de caméra et tous les autres bacs qui sont là-bas. Ça laisse assez d'espace pour les chiens. Puis j'ai réussi à rentrer tout mon stock. Yes! Tu es content, Snoopy? Tu vas pouvoir venir? Yeah! Mon défi à moi, ça va être de faire fitter tout ce qu'on a besoin dans le Lucky Base Camp pour vivre. Donc, nourriture, la vaisselle, nos vêtements, tous les accessoires des chiens, tous les accessoires de travail, donc mon ordi, toutes ces choses-là, il va falloir que je trouve un endroit pour les placer dans le Lucky Base Camp. Puis, ça va être tout qu'un défi. La façon dont je procède pour garder à l'ordre tous nos objets, c'est par sac. Donc, comme là, j'ai des sacs de Costco et de Ikea qui sont assez grands pour accueillir tous nos accessoires. Puis, c'est par catégorie, dans le fond. C'est là, du fond, ça va être nos accessoires de cuisine. Ensuite, il va y avoir les accessoires de salle de bain. Ensuite, d'autres accessoires de cuisine comme de cuisson et les spatules, etc. Puis, le dernier ici, ça va être un peu d'électronique, un peu de tout, comme de la gommette, mettons. Puis, dans un VR, la façon que je range mes accessoires... c'est avec des bacs, en fait, pour pas que ça ait à glisser ou à se déplacer quand on est en mouvement sur la route. Donc, j'ai plusieurs modèles que j'ai utilisés tout au long de notre vie en VR. Quand on avait la Micro Mini, c'était des bacs comme ça de Dollarama.
Ensuite, la Airstream, j'ai upgradé pour des bacs comme ça de chez Container Store, un peu plus rigides. Puis j'ai ceux-là aussi qui nous ont suivis dans tout type de VR qui contiennent les produits pour nettoyer, entre autres. En dessous de ces rangements-là, je vais y mettre un genre de tapis, comme un dessous, le coussiné, pour empêcher justement que mes rangements, mes bacs, y aient à se déplacer aussi, puis brisent l'étagère sur laquelle ils vont se retrouver. Et là, on va se retrouver sans laveuse sécheuse. Donc, c'est pourquoi qu'il faut prévoir, avant de quitter, de faire notre lavage pour partir vraiment en étant toute propre, même les accessoires de chien, les lits, le petit manteau à Monsieur Bond, tout est nettoyé. Donc, on va être prêt de ce côté-là pour partir. Avant de transférer le tout dans le campeur, j'ai dû faire un tri de tout ce qu'on possède et même un tri dans la dépense parce que oui, en maison, ben on a tendance à remplir beaucoup les armoires parce que quand on cuisine, ben, on a besoin de contenants plus gros nécessairement. Mais là, cette année, ça n'a pas été si pire parce qu'on a commandé du good food. Puis ça, ben, les quantités sont exactes, donc on ne se retrouve pas avec des pots, mettons, d'épices en trop. Donc, ça se résume pas mal à ça qu'on a pour transférer dans le campeur. Puis là, bien, ce que je m'en vais faire, c'est que je vais aller dans le Loki, puis je vais aller voir l'espace que j'ai pour voir quel bac que je peux emmener avant de tout transférer. Qui est beau! Oui, t'es beau, Mimi! T'es beau! Vas-y. Je suis pas mal satisfaite du rangement qu'il y a. Il y en a plus que je croyais. Puis, je vais même pouvoir tout utiliser les bacs que j'ai, tous les formats. Puis même le dessous de l'évier va pouvoir servir à d'autres rangements, pas seulement pour les produits pour laver la vaisselle. Super! Moi, ça va pas aussi bien. Je sais pas où mettre mes affaires. Ah, on choisit chacun nos combats, tu sais. On va finir par trouver. C'est que je veux que chaque affaire soit vraiment à l'endroit idéal, que j'aurais pas besoin de les rebouger puis de les chercher. Ah, mais là, Alex, depuis le jour 1 en VR, je pense qu'on passait des semaines à redéplacer nos accessoires pour voir c'était quoi le meilleur endroit pour chacun. Fait que c'est pas nouveau, là. Il va falloir faire la même affaire, mais qu'on ait notre unité à nous. Ouais, c'est sûr. Mais bon, on continue. Ça fait dans mes flush. Crimbin. Ça fait. J'en ai un rectangle et un grand carré. Lui, il pourra aller là. Great! Fait que je peux aller chercher toutes mes choses et commencer à remplir. Qui va suivre lui. Sac à bananes. À pommes. Parce qu'on met pas les bananes dedans. Ça non plus, ça suivra pas. C'est un égouttoir pour la vaisselle, mais il est en tissu, puis ça fait qu'il s'imbibe full d'eau. Et c'est long à sécher. Alors, on a pensé à un égouttoir, mais en silicone. Donc, on a juste à passer un chiffon à la toute fin, puis on peut déjà le ranger. Puis en même temps, ce que ça évite, c'est d'avoir trop d'humidité dans le campeur. Donc, c'est. Bien pensé. Fait que lui, ben, il suit pas. Bien
temps de mettre ce qu'on n'utilise pas dans le fond. Tu sais, mettons de la crème à mouche, je pense pas qu'on ait besoin. Mais pourquoi t'amènes ça? D'un coup qu'on en a besoin? Ben là, on s'en va... Ah! Oui? On s'en va là où il y en a peut-être pas! Mais pareil, il y a un doute. Notre déménagement est presque terminé. De mon côté, j'ai presque tout accompli hier soir, parce que là, on est rendu le lendemain. Puis je suis contente parce que tout ce que je voulais comme bac, tout ce que je voulais amener comme accessoire, bien ça entre. J'ai même fait un tri, mais j'en ressors avec pas beaucoup de choses là, que je vais devoir ranger. Fait que je suis vraiment contente de ce côté-là. Je vais pouvoir vous montrer après qu'est-ce que ça donne. Puis moi, de mon côté, ben ça allait pas bien hier. J'ai pris une décision finalement. C'était... Moi, je suis surtout dans les petits points techniques, genre... par rapport à notre équipement de caméra, etc., les stations de rechargement de toutes les batteries. Puis, ben, j'arrive à la conclusion que dans cette unité-ci, étant donné que ça n'a pas été planifié en fonction de nos besoins comme la nôtre, il n'y a pas vraiment d'endroit où je peux faire une station permanente. Fait que je me suis trouvé un petit étui dans lequel tous mes chargeurs vont être. Puis quand je vais avoir besoin de charger, ben, je vais les sortir. Puis ça va traîner sur le comptoir en attendant. Ouais. Puis quand ça va être fini, je vais ramasser tout ça. Fait que... Mais je pense que ça va être un peu comme ça aussi avec notre linge. Tout va se retrouver dans des sacs. Puisqu'on n'a pas d'armoire de rangement encore dans celle-ci, là. Exact, pour les vêtements, ben, on va vivre avec des sacs. Puis je pense que ça va être la même chose là, pour nos produits là, pour le corps. Dans le fond, là, quand on va prendre notre douche, les déodorisants, brosse à dents, tout ça, ça va être dans des étuis. Fait que, on va avoir ça à manipuler, mais je pense que ça en vaut vraiment la peine. Ça m'encourage pour notre unité qui s'en vient parce que ça me confirme qu'on a fait les bons choix, les bonnes décisions. Puis je sais qu'on va avoir plus d'espace de rangement que ce qu'on a là. Mm. Puis déjà, on est capable de tout rentrer. Fait que... Exact. J'adore. Là, Alex est en train de regarder... mon travail d'hier. Et je suis découragée. Là, je pense qu'il va vouloir vraiment commenter. Mais moi aussi, je vais aller commenter son travail après. Hey, qu'est-ce que j'ai fait, moi? On va voir. Non, mais tu sais, je regarde dans l'armoire ici. Puis Val, elle a amené ça. 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 Mais c'est pas qu'on l'a amené, on l'avait déjà. Oui, mais on n'a pas besoin de ça. Oui, on a besoin. Ça, oui, ça c'est correct. Tu sais, quand on a un restant de bouffe, on peut le mettre là-dedans. Un Ziploc, ça prend ben trop de place pour rien, là. Puis, des popsicles, je penserais pas d'en faire sur la route. surtout considérant où est-ce qu'on s'en va. Puis, regarde ça, toute la place qu'on gagne dans l'armoire, là. Complètement inutile, ça. On n'amène pas ça. C'est décidé. Qui est team anti-Ziploc là-dedans, dans les commentaires, écrivez-moi ça. Pas de Ziploc, voyons donc. Pourquoi tu appelles ça des Ziploc? Des Tupperware. C'est pas des Tupperware. Des plats en plastique. Bon, fait que moi, je viens de clairer un armoire complète. Mais non, mais ça, c'est cool, là. Tu peux faire des pops, puis c'est en silicone. On a à peine d'espace dans le congèle. Mais c'est ça, c'est fait pour les petits congèles. Si je veux un pop, je vais aller au dépanneur. C'est nice, là. Ça prend pas beaucoup de place dans le congèle. Tu sais, d'habitude, c'est des grosses affaires de plastique. Mais c'était pas pire quand on était stationnaire. Mais l'enjeu avec ça, c'est qu'il faut les laver. Ça prend plein d'eau. Faut les faire, fait que ça prend des plats puis plein d'affaires pour faire de la vaisselle. C'est pas... c'est pas une affaire de voyage, là. En plus, ça prend de la place inutile. Fait que non pour les pops. Pourtant, c'est moi qui mange les pops. C'est moi qui devrais en vouloir. Y a-t-il d'autres jokes là, là-dedans? Là? Ça a l'air pas super. Ça, c'est correct. Ici, y a-t-il d'autres choses drôles? Ça marche. Et ça, c'est cool, cette invention-là. On leur montre-tu? Val et sa mère ont créé un étui à ustensiles qui permet de protéger nos beaux couteaux, nos ustensiles ici. Fait que on les replie comme ça. C'est un petit peu plus de manipulation à chaque utilisation, mais il faut dire que on mange juste 2-3 fois par jour. Hein. Fait que c'est pas comme si on faisait ça 50 fois dans la journée. Fait que quand c'est fini, on fait juste le remettre là-dedans. Ça prend presque pas d'espace au lieu de prendre le tiroir au complet. Fait que dans notre unité, on n'aura même pas de petit séparateur comme ça. Ça va vraiment juste
être la petite étui, puis super facile comme ça. L'avantage d'être dans des pochettes comme ça, c'est que tu gardes un ordre dans tes ustensiles, mais aussi, il n'y a pas de poussière, de saleté qui va se ramasser à travers les ustensiles, donc ça reste toujours propre. Puis en même temps, ben, les couteaux, ça brise les fonds de tiroir, ben, c'est pour ça qu'on met un petit truc en plastique, mais moi, j'en veux plus. Puis je trouve ça vraiment une bonne idée, là. Tu sais, même si c'est de la manipulation, moi, j'adore le concept. Ouais, c'est très cool. Tu sais, hein, ça fit vraiment bien tes petits bacs. Ça, c'est la partie gugus. On a tout le temps besoin d'un panier de gugus, d'électronique, de choses qu'on, qu'il n'y a pas nécessairement de rangement pour ces objets-là. Fait que, puis Alexandre, vu qu'il commande tout le temps plein d'affaires, ben il y a tout le temps des genres de paniers que je veux pas jeter, puis je me dis, hey, ça pourrait m'être utile. Mais tu vois, c'est utile. C'est utile, toutes mes commandes d'affaires inutiles. Ouais, ouais. Ah, ben là, j'ai pas de mots à dire. Ça, c'est tout que de l'aménagement, là. C'est une grosse game de Tetris réussie, là. Ben dans le fond, je pense que c'était le Tetris le plus simple à faire parce qu'il y a pas 10 000 choses qui peuvent aller là, puis c'est des choses qu'on a vraiment toujours besoin. Donc, c'était faut que je les mette facile d'accès et proche, à portée de main. Donc là, ici, il va y avoir le panier pour la salle de bain, donc le papier de toilette. Ici, les torchons, les guenilles, les linges à vaisselle. Juste à côté, ça va être le tout ce qui est pour scrubber. La vaisselle? Récurer, c'est scrubby. Ici, ça va être pour la douche, donc ça va être nos serviettes qui sont toujours de ce côté-ci, parce que dans le fond, la douche va se retrouver ici et la toilette également. Donc, c'est sur le bord. On a la poubelle qu'on va pouvoir déplacer quand on va cuisiner. Ça, c'est correct pour ça. J'ai tous mes chaudrons ici. J'ai mon bidon pour laver le linge, notre tapis quand on va prendre la douche pour ne pas tout mouiller et avoir les pieds au chaud. Les sacs à poubelle, puis ma corde à linge que j'ai acheté au Mexique. On sait jamais, hein? Parce que j'ai du linge qui va pas à la sécheuse, donc ça va être bien pratique. Alors voilà. Bien contente de mon rangement. Ben... toi, méchant défi. Il y a même pas de tablette là-dedans. Un par-dessus l'autre. Mais ça marche bien. La chose que j'ai pas rentrée encore, c'est tous les accessoires et nourriture pour les chiens. Je sais pas où est-ce que ça va aller. Il se peut qu'on va devoir bouger des accessoires quand on va vouloir aller se coucher, puis le jour, mettre ces accessoires-là dans le lit. Donc, c'est sûr qu'on s'en sort pas de ce côté-là. Tu sais, toi, Alex, qui aime que les choses soient chacune à leur place, ben là, ça arrivera pas encore. Pour cette fois-ci. Pour ce qui est de la nourriture de chien, moi, j'ai ma petite idée, par contre. Le plat de nourriture à chien est immense. D'habitude, ils sont bons pour quasiment 2 jours complets quand il est rempli au maximum. Fait que je pense qu'on va juste le remplir à tous les 2 jours. Puis l'excédent, le gros sac de nourriture, je pense qu'il va rester dans le camion. Fait que ça risque fortement d'être ça, la solution. Mais là, parlant de camion, allons donc voir tout ce que t'as fait. Ouais, mais là, faut que tu dises que j'ai rempli bien du stock qu'on va aller porter chez ta mère, ce qui est notre prochaine étape de la journée. Fait que là, ça déborde un peu. Mais tu vas avoir quand même une petite idée de comment ça va être serré pour les chiens en arrière. T'es-tu fière de moi, Val? Ben, je suis contente que tu aies strappé les bacs parce que il n'y a pas si longtemps, tu ne l'avais pas fait. Puis les chiens se faisaient écraser quand on prenait la route par les bacs. Fait que là, ben, tu as appris ta leçon. Mais là, c'est sûr que tout ce qui est sur le dessus, là, ça ne suit pas. Fait qu'il va falloir faire un tri chez ma mère. Moi qui pensais l'avoir déjà faite, finalement... Il y en a encore beaucoup. Encore du jeu de Tetris à faire. Mais tu sais, Alex, tu pouvais pas faire mieux que ça, là? Non. Travail d'équipe? Yes! J'étais mou, hein? Ma porte était molle, puis là... Quand tu ici à soi? C'est vraiment beau. Mais c'est venteux, c'est froid. Là, on va vous montrer notre batcave. C'est le repère avec tous nos objets maléfiques.
notre petite unité de rangement portative dans laquelle il y a toutes les choses qui nous manquent pour notre prochain voyage. Toi, t'es là! Oh my god! Un mur d'objets! Ah, tu vois? Ça, je l'amène. Fait que ça, c'est tout ce qui nous reste de nos anciens VR, de notre maison. Tout est là-dedans. Puis là, ben, faut faire une petite recherche pour trouver certains objets, dont la plaque à induction, plein d'accessoires de rando et d'activités sportives. Puis toi, Val, qu'est-ce que tu recherches? Je me suis fait une belle liste, mais je l'ai oubliée. Je vais m'en rappeler au fur et à mesure que j'ouvre mes bacs. Bon, ben, let's go! Il n'y a rien là-dedans. Toutes les affaires de l'Airstream. La plaque à induction. Ouais. J'ai trouvé l'objet convoité, la plaque à induction. Elle est petite la nôtre comparée à celle qu'il y avait dans le Lucky qu'on avait essayé. Puis moi, j'ai mes cache-brosse à dents. Protège-brosse à dents. Parce que, tu sais, d'habitude, j'ai comme un contenant qui sépare la pâte à dents puis les brosses à dents. Mais c'est carré, ça prend trop d'espace, puis je n'ai pas cet espace-là. Voilà. Ça, j'ai pensé que mes deux bottes allaient rentrer dans celui-là. Vous allez peut-être comprendre, avec le type d'équipement qu'on est en train de sortir de notre remorque, vers où on s'en va. On s'en va où, Val? Là où il fait froid, là où il y aura de la neige. Oui, pendant que tout le monde en novembre quitte vers le sud pour aller chercher de la chaleur, ben nous, exceptionnellement, ben cette année, on s'en va chercher de la fraîcheur. On s'en va dans la neige et on s'en va pas n'importe où, dans les Rocheuses, dans l'Ouest canadien. Fait que là, on s'équipe avec tout notre stock, les skis, les bottes d'hiver, les raquettes, les patins. On s'en va faire des sports d'hiver, des activités extérieures, profiter du plein air, puis profiter pour la première fois de notre campeur en version hivernale. On va voir si c'est vrai que c'est bien isolé, le Lucky Base Camp, puis on va voir si ça chauffe bien, parce qu'on va le tester dans les pires conditions en partant. Bon, fait que là, maintenant qu'on a tous nos objets, il reste à ranger ceux qu'on a libérés du campeur. Puis aussi, ben mettre tout ça dans les boîtes de rangement un peu partout sur le campeur, puis s'assurer que tout va rentrer. Bon, fait que les bottes... Fait que là, on a ce rangement-là de plus pour nos skis et équipements de sport d'hiver. On va espérer que tout va rentrer là-dedans. Là, faut dire que c'est un voyage que normalement, on n'a pas ces objets-là. D'habitude, ils sont dans le trailer fermé, puis ils sont là quand on a une maison. Mais là, c'est un voyage vraiment différent, puis je pense que c'est une bonne chose qu'on le fasse pour justement notre vie à venir, parce qu'avec le Lucky Base Camp, bien, on va pouvoir vivre les quatre saisons au Québec ou dans le nord du Canada. Ouais, je pense que là, j'ai poussé ma loque. Là, il reste juste les patins à placer. J'essayais de placer le sac au complet, mais ça rentre pas. Mais j'ai un petit trou ici. Puis moi, j'ai un petit trou là. C'est le moment de faire le test ultime. Là, tout a rentré. Le sac est vide. Est-ce que ça ferme? Great success! That's it, Val! Ouais. On est presque prêt pour la route. Ben là, il reste les dernières petites choses, dont nos couvertes de lit, le frigidaire, les articles de chien. Mais après ça... Là, on va être prêt pour la route. Exact. Fait que ça, pour vous, ça va se passer dans le prochain épisode. Fait que déjà, on va prendre la route en direction de l'Ouest canadien, puis on va vous partager tout ça. Fait que n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis sinon, ben nous autres, on se dit à la prochaine! Bye!